ta carte bleue. Oui, faire des petits exercices. C'est ta carte bleue. Ouais. Ouais. C'est, tu as fait longtemps que tu l'as cette carte bleue? Je l'ai depuis 2 mois. Depuis 2 mois? Ouais. Remets-la dans ta poche peut-être. Tu veux voir un truc rigolo? Je suis magicien aussi. Ouais. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 quand tu vas sortir ta carte bleue, ce sera plus ta carte bleue, ce sera ton téléphone portable. 1, 2, 3. Vérifie peut-être que j'ai déplacé ta carte bleue et qu'elle est ailleurs. Où c'est que tu la mets d'habitude ta carte bleue? Je l'ai pas sur moi, je crois. Tu l'as pas sur toi? Non, je l'ai pas sur moi. Tu l'as pas sur toi. Donc c'est bon, c'est bien ton téléphone portable alors. Bon, ça va. Vérifie quand même, on sait jamais si c'est bien ton téléphone portable. Remets-le dans ta poche. Parce que peut-être que si je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, c'est redevenu ta carte bleue. C'est quoi? Ma carte bleue. Remets-le dans ta poche, tu vas voir. Il y a un vortex dans ta poche en fait. 1, 2, 3, c'est ton téléphone portable. C'est génial! Tu as une poche qui fait un vortex qui fait dépasser le vortex, c'est quand même fantastique. Et sinon, ça je trouve toujours aussi bien. Ça je trouve. Ok. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de poser ta main droite, s'il te plaît, sur ma main et de forcer le plus possible. Tu forces, 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 t